Salut les irrécupérables. Eh oui, je suis en route dans le nord, où je suis invité chez les amis irrécupérables qui sont d'ailleurs des abonnés de la chaîne. Vous le voyez derrière, notre ami Rudy, il est où? Il est là. J'y arrive, il est Salut l'équipe! là. Voilà, donc À moi je. 650 km du Jura, Voilà. environ 6h30 de route. Exactement, oui, je me suis tapé environ 6h30 de route, c'est ça. Et donc, nous arrivons dans un patelin. Rudy, tu vas nous en dire un peu plus, où c'est qu'on est là? Alors on est dans l'Avesnois, donc on est dans le nord Pas-de-Calais, cité minière bien connue, hein, le nord c'est les mines, c'est le charbon. Voilà, le charbon, les mineurs de fond. Exactement. Et donc c'est une ville assez sympathique. Comment dirais-je? Donc là, donc tu m'emmènes, là, on est vraiment dans un truc, on va dire, c'est un truc un peu en forêt, hein. Voilà, ouais, Il y a bon, une, c'est donc un peu retiré, c'est un peu reculé. Et puis on va montrer un petit peu, je sais pas, nos amis s'ils vont voir un petit peu tout ça, mais vous pouvez voir que on arrive vraiment dans un endroit boisé, on va dire, comme d'habitude, dans des endroits un petit peu glauques. Ce qui est forestier, hein, je suis avec sa compagne aussi, qui est Elodie, hein, qui est une abonnée. Vous avez connu d'ailleurs, qui a fait un maquillage d'Halloween très 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 bien. Voilà, ouais, c'est c'était vrai. elle. Et donc je me retrouve avec eux aujourd'hui voilà, on En arrive avant. dans un village. Sans Donc lumière. c'est noué, il n'y a pas de lumière. C'est une maison où il y a eu quand même pas mal d'actions. Écoute, il y a eu plusieurs décès. Voilà. C'est une dame, à chaque fois qu'elle s'est mise avec un homme, malheureusement, Ouais, au c'est en fait. maximum, 5 ans plus tard, il est décédé. On ne sait pas pourquoi, à chaque fois, c'est le même rituel. Et donc, d'après ce que tu m'avais dit au téléphone, quand on s'est contacté, apparemment, tu m'as dit que dans cette maison, il y avait des trucs. Bon, parce que des jeunes, elle est inhabitée actuellement, hein, c'est vieux. Et donc, apparemment, des jeunes entendaient des choses, Voilà, etc. exactement. Il y a toujours eu des trucs bizarres. D'abord, d'une part, il y a eu les décès tous les 5 ans. Et Ouais, c'était quand même pas. cette dame, du jour au lendemain, elle a disparu. On ne sait jamais ce qu'elle est devenue. Ouais, On ne ce sait qui est rien quand du même tout. assez glauque. Il y Donc a on eu va des essayer de enquêtes, il y a eu des démystifier choses, ça. mais. Et ben voilà. On a un petit peu de marche apparemment. Mais C'est pas très loin, j'espère. non, 2, 3 minutes là à pied. Bon ben ça va. Donc écoutez, je me filme. Hop là, je suis là. Donc écoutez, on se rejoint tout à l'heure dès qu'on arrive dans la maison. Bienvenue dans le 11e épisode de l'Antre du Paranormal. Alors voilà, nous sommes dans la maison, dans un endroit un petit peu qui a vécu, quoi, on va dire, très abandonné. On peut se douter de ce qui s'est passé un petit peu par là. Donc il y a de drôles de pièces. Ah ouais, d'accord. Donc c'est quand même assez glauque, hein. Voilà. Donc c'est dans cet endroit que la dame habitait, Rudy. Ouais. Donc voilà, donc c'est une des pièces où les gens apparemment auraient entendu des cris, quoi, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a eu ici en fait? Ah ouais, dis donc, pourquoi il y a des sortes de photos d'arrachés par terre, c'est glauque. C'est assez marrant, quoi. On ressent quand même une atmosphère assez pesante ici, hein. J'ai pu voir qu'en fait, ça s'étalait sur de la longueur, cette maison. Donc, ça fait un sacré moment, mais donc ça n'a pas été habité ici. Tu vas voir, plus on va rester ici, tu vois, plus il va se passer des choses bizarres. Tu verras par toi-même, je t'en dis pas plus. D'accord. Tu verras. Ouais, donc toi aussi, tu avais vécu cette expérience en fait il y a quelques temps, apparemment. Exactement, je suis déjà venu une C'est fois et je vrai. peux te dire que. Alors, donc, je me fais voir. Donc, pour tout vous expliquer, Rudy, qui est ici, est un abonné de ma chaîne et donc qui fait partie également du groupe Facebook L'Antre du Paranormal. Ça fait déjà un petit moment qu'il rentre en contact avec moi et qui me dit, bon, ben voilà, on a des choses inexpliquées un petit peu, voilà. Donc,
Je voulais voir mes propres yeux et c'est vrai que depuis, j'ai pas spécialement eu le temps, mais bon, avec le confinement et tout, et bon, je me suis dit de toute façon, on n'a pas spécialement grand chose à faire, donc il m'a proposé de venir chez lui, chose que j'ai fait, et donc nous voilà aujourd'hui dans cette maison. Je peux te dire que tu vas pas être déçu parce que je l'ai déjà vu plusieurs fois, et plusieurs fois ça s'est produit. Donc voilà, et il regardait beaucoup donc nos vidéos. Je vais pas te mentir. Et il pensait au début que c'était... Voilà, au début, je ne vais pas te mentir, j'étais sceptique. Je me dis, ouais, c'est du bricolage, etc., etc. Et après, j'ai pensé à mon histoire personnelle. C'est pour moi qu'il le dit. J'ai pensé à mon histoire personnelle et honnêtement, c'est vrai que je me suis dit, il faut vraiment que je le fasse venir parce que sincèrement, tu verras que c'est... Voilà, c'est un petit peu ça, quoi. Eh bien, écoute, ma foi, on va essayer de démystifier tout ça. On n'a pas notre ami Brice aujourd'hui avec nous, mais... Puisqu'il y a beaucoup de kilomètres, comme vous le savez, j'ai dû me déplacer un petit peu tout seul. C'est à mes risques et périls. Si j'ai une amende à payer, au moins je la paye seul. Voilà, donc on va continuer. Je vais essayer d'invoquer un petit peu, de voir un petit peu ce qui... Il y a quelque chose. Donc voilà, je sais pas si vous avez entendu dans la caméra. J'étais en train de vous parler justement, là j'ai ressenti quelque chose. Bon, c'est peut-être, comme vous savez d'habitude, hein, voilà, hein, c'est des vieilles maisons, il se peut qu'il y ait des mulots, des trucs comme ça, donc on va pas paniquer tout de suite. Alors là, il y a un truc de malade, c'est quoi, Rudy? Et quoi, ça vient d'en haut, ça? Là, ça fait des sacrés boucans. Hein. Donc, c'est un truc de fou. Enfin, je sais pas si vous avez entendu, ça fait déjà deux fois, et puis là, c'était quand même assez puissant, donc... Bref. Donc, je vous disais, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne 7 Spiro, sur YouTube, et de nous rejoindre également, l'ont fait Rudy et Lodi, sur notre page Facebook, l'Entrée du Paranormal. Voilà, donc on va continuer l'investigation, on va tourner un petit peu, voir un peu ce qui se passe. C'était quoi, je ne sais pas, t'as entendu quand même ? Bien sûr, j'ai senti que c'était près de moi, je ne sais pas ce que c'était, je ne sais pas si c'est en haut ou sur les côtés. Bon après, il faut dire quand même, il y a du vent. Donc, c'est pas une tôle. Comme vous voyez, il y a les fenêtres qui sont ouvertes, donc il y a certainement des courants d'air, il faut vraiment faire attention à tout ça. Comme vous le savez, je fais vraiment attention au moindre petit phénomène. Voilà. Eh bien, on va continuer. Alors, on est dans un endroit. T'es où ? C'est un labyrinthe, les amis, je vous raconte même pas. Ouais, c'est des rats ou des chauves-souris. Petit clin d'œil. Qu'est-ce que tu fais ? Un autre ami, la chauve-souris, se reconnaîtra. Et donc, en fait, si vous voulez, c'est une grande... Oh, c'est délire ! Regardez la trappe. Une sorte de trappe, il y a une sorte de bouquin. Ça a l'air d'être dur, ça, Rudy. C'est quoi ça? Pourquoi la porte s'est fermée, là? La porte en vol s'est fermée toute seule. Ah oui. Si. Alors, je vous raconte pas, à mon avis, il y a de la chauve-souris ici. Parce que vu les crottes, c'est un truc de malade. Donc, je sais pas si vous imaginez un peu l'endroit, mais... Donc voilà. C'est quand même hallucinant. Ah Rudy, t'es par où? On est là. J'ai pas vu ici. Ah, ça faisait quoi? Comme des appartements en fait. Hein? Putain. J'ai vu la chaise là qui est tombée de je sais pas d'où là. C'est pas vous qui faites... Ouais, on est derrière toi. En marchant? On est derrière toi. Attends, Claire. Putain, c'est quoi ce truc de malade? Et c'est cette chaise qui est tombée? Ouais, c'est tombé d'où? C'est tombé d'où? Je suis à peur. Putain, mais pourquoi il y a un verre qui est là dans le trou? Il y a de l'eau. C'est bizarre.
Y a-t-il quelqu'un ici parmi nous, s'il vous plaît? C'est quoi cette plaque en plein milieu là-bas dedans? Il y a une plaque là, je sais pas ce que c'est. Y a-t-il quelqu'un ici parmi nous, s'il vous plaît? On ne vous veut pas de mal, hein? On est là, on fait un reportage. Waouh! Ah bah! C'était quoi? C'est moi qui ai pris trop. Ok. On est là, on fait un reportage. Alors apparemment, là, il devait mettre le linge, c'est ça, non? Il y a plein de fils et puis des épingles. Donc on est ici, on fait un reportage, on veut de mal à personne. Hein, encore une fois, oh, cette vieille poupée. Ah, mais elle est vieille. Hein. Putain, elle m'a fait flipper en plus. Ah, c'est franchement glauque. Je vous dis, il y a des petites bottes. Il y a un tapis, vous avez vu, Donald et tout, qui laisse penser qu'il y avait des enfants ici. Vous voyez des vieilles pompes, enfin des vieux trucs. Donc il y avait des enfants ici. Putain, c'est glauque quoi. C'est hyper glauque. Là, il y a un enfant, alors, regardez tout ça. Y a-t-il quelqu'un ici parmi nous? Ne nous faites pas un point de mal. On veut seulement rentrer en communication avec vous. Simplement. On ne vous veut pas de mal. Je m'appelle Seth Spiro. Donc je viens du Jura. Je suis venu vous voir ici car apparemment il y a eu plusieurs phénomènes et que apparemment vous irez toujours dans cette maison. Donc j'aurais aimé savoir est-ce que vous êtes toujours ici? Si oui, pourquoi restez-vous ici? Nous ne sommes encore une fois pas là pour vous faire du mal. On est vraiment ici pour démystifier, savoir pourquoi vous restez ici. Donc vous pouvez vous adresser directement dans l'objet que je tiens, qui s'appelle une caméra. Vous pouvez vous servir également des piles de ma lampe, de batterie, que tient celle que j'ai passée à notre ami Rudy, des piles du téléphone, c'est un téléphone, donc d'Elodie, nous dire pourquoi errez-vous toujours dans cet endroit? Et est-ce vous d'ailleurs qui avez fait tomber cette chaise? Car cette chaise n'est pas tombée toute seule. Nous avons eu plusieurs phénomènes, on va dire. J'aimerais savoir si c'est vous. N'ayez pas peur. Faites-nous un signe, s'il vous plaît. Faites-nous un signe, s'il vous plaît. N'ayez aucune crainte. N'ayez pas peur de nous. Encore une fois, on n'est pas là pour vous faire du mal. Merci. Merci si c'est vous qui avez fait ce bruit. Pouvez-vous recommencer, s'il vous plaît? Êtes-vous ici parmi nous? Ça fait deux fois. Je vous répète, êtes-vous ici parmi nous?
N'ayez pas peur, faites-nous un signe, s'il vous plaît. Bizarrement, t'as vu, on entendait. Alors, on est quand même pas loin d'une route. Ce qui fait qu'on peut aussi, et puis il y a un peu de vent, hein. Donc c'est vrai que ce qui fait que ça peut prêter à confusion, parce qu'on est quand même dans une sacrée vieille bâtisse, donc il y a des choses qui peuvent se casser la gueule à tout moment. On fait vraiment attention où on met nos pieds. Putain, ta lumière, Rudy, ça c'est bizarre. Ça c'est bizarre. Non, rappuie un coup dessus, s'il te plaît. Alors ça, c'est une lumière que j'ai prêtée à Rudy. D'habitude, normalement, ça doit pas faire ça. Quand j'ai vu faire ça en général, j'étais avec Brice et c'était pas top. C'est quoi ça? Rudy, fais gaffe. C'est quoi ce truc? Elle va plus ma lampe. Qu'est-ce qu'elle fait? Putain, c'est quoi ce truc? Oh. Ouais, fais gaffe à toi, Rudy. C'est de pire en pire. C'est quoi cette voix? Ouais, j'ai entendu. Oh, comme ça. Oh, c'est quoi ça? Ne nous agressez pas, s'il vous plaît. Hein. Encore une fois, on est là pour un reportage. Ah, vous pouvez pas dire cette fois que c'est pas des faits réels. Je t'avais dit, c'est le détour. Hein. Ouais. Voilà quoi. Il a fallu que je me déplace quand même. Vous avez vu quand même que. Attends, on dirait une vieille batterie, tiens. Eh hey, mais il y a des trucs, fais gaffe Rudy, parce qu'il y a des choses ici, j'aime pas trop. Eh hey, t'entends les bruits? On dirait que ça vient de derrière là. C'est quoi ce truc de malade? Putain. Moi je suis pas tranquille dans cet endroit, Rudy. Je sais pas si t'as remarqué, mais dès qu'on reste un peu longtemps à un endroit. Bah c'est ça, on dirait qu'on n'est pas bienvenu quoi. Pourtant, on est venu en paix et tout, c'est voilà. Putain, fais gaffe, je veux dire, merde. Ouais, fais gaffe. Méfie-toi. Attention, décolle-toi. Se prendre de plafond sur la gueule, c'est peut-être les plaques là qui tombent, non? Okay. Regarde le machin là. Ah ouais, c'est peut-être ça en fait, depuis tout à l'heure qu'on entend. Ah ouais, regarde par terre. Ouais, c'est. Eh, on va se prendre de plafond sur la gueule, les gars, il faut pas qu'on reste ici, quoi. On descend. Ah ouais. Ce délire, c'est quoi? C'est pas la poupée, ça? Elle était pas là-bas tout à l'heure, seulement. Mais c'est la poupée qui est là-bas. Ouais, c'est ça qui était là-bas, ouais. Regarde un peu. Elle est là, ça. Ouais, mais c'est ça. Ouais, elle avait les épaules décousues. Putain, c'est chelou. Oula, alors là, j'aime pas ça du tout. Je vous le dis tout de suite, les gens, moi, je me casse de là. Moi, je me casse de là, je vais Rudy, on se casse de là. Non, non, ça, c'est une mauvaise expérience que j'ai eue. Je me barre de là. C'est où la sortie? Waouh, mais c'est quoi cet endroit? On n'était pas là tout à l'heure. On dirait quelque chose. Eh, mais c'est un truc de ouf là, je suis dans une autre dimension ou quoi? Putain, ça sent bizarre. T'es pas là tout à l'heure? Non. Eh, c'est tellement un labyrinthe. Sérieux les gars, je sais pas où je suis là.
m'excuser un peu, je panique. C'est quoi ce délire? Ah, c'est bon. Ben, il n'y avait pas de chute, il n'y avait pas de lavabo aussi, c'est quoi ce délire? Viens t'habiter. C'est quoi cette affaire? On n'était pas là tout à l'heure. Ouah, les pires araignées qu'il y a dedans. Et comme vous pouvez voir, on est quand même pas dans un machin de... Enfin, de petits locataires, quoi, là. On est dans un endroit assez bourgeois, on va dire. Ah ouais, non, c'est franchement, là. Ouais, en fait, cette bâtisse, elle est vieille. Les bruits qu'on entend, tu vois, il y a des trucs du toit qui se cassent la gueule. C'est tellement vieux, regarde, Rudy. En fait, tu vois, tes machins, ça vient d'ici, quoi. Ça se casse tout la gueule, on a intérêt de faire gaffe. Regarde le plat par terre. En fait, ça vient de ça, quoi. Voilà pourquoi. Ouais, c'est ça, cherche pas plus loin. En fait, les bruits que vous entendez, c'est à mon avis le plat qui se pète la gueule par terre. Mais je pense que y a quelque chose d'habité ici. C'est des maisons, hein. Non, mais y a un être ici, c'est sûr. Mais je pense, tu vois, les bruits qu'on entend. Putain, waouh. J'ai même du mal à parler tellement que. Ça m'a fait flipper, c'est la poupée que j'ai dans la tête, là. Comment elle a fait pour se déplacer, sérieux? Je t'avais dit, tu vois, il y a un truc bizarre devant moi, tu vois bien que c'est pas du. C'est pas du brun, comme on dit chez vous. Chauve-souris. Ouf. Parce que toi, c'est quoi ça? C'était quoi ce bruit? C'est chaud. Ah. Non, mais c'est chaud. C'est bizarre quoi, ici. Hein? Une queue de billard, là. J'ai entendu tout bouger là. C'est quoi cette affaire? Hé, hey, Rudy. Il y a le truc qui bouge là-haut. Putain, c'est quoi cette affaire? Le machin il bouge tout seul. Je suis là. En plus, c'est trop haut, je peux pas y toucher. Je peux pas y atteindre. T'as vu la hauteur? Il aurait fallu que je grimpe sur le machin. Ça vous dit? On se casse de là parce que je me sens pas terrible ici. Hein?